Bonjour, samedi soir sur France 2, on a pu voir Karine Le Marchand qui était venue faire la promo de sa nouvelle émission hein, qu'on verra sûrement cette semaine. Et puis donc ils sont venus bien sûr sur le bilan de L'amour est dans le pré avec 30 mariages et 84 naissances, mais il y a eu aussi des larmes. Et les larmes sont venues à cause de ces images. C'est vrai que bon. C'était aux obsèques d'Agnès Lassalle, où son compagnon avait dansé et tout. C'est vrai que c'était, je crois que c'est l'image la plus triste qu'on ait jamais vue. Je me demande pourquoi il n'y a pas un film, parce que je suis sûr qu'un film pourrait se tourner sur cette histoire. Et puis il y a un autre truc, parce que moi bon, je suis quand même allé me renseigner. La personne qui a tué cette prof s'appelait Tom, quoi, s'appelle toujours Tom. Il est emprisonné, mais bon, il n'y a toujours pas eu de procès. Donc c'est assez étrange. Donc bah, à suivre. Hein, donc bon, bah, une pensée encore pour Agnès Lassalle. Et puis bah, moi, je vous dis à plus tard pour vous abonner à la chaîne. C'est en bas à droite. Bye bye.